Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec donc l'Angleterre évidemment. L'heure de la vengeance a sonné, la guerre contre les Bamani. Ce serait bien qu'ils soient en plus en guerre, mais bon, pour l'instant ça en prend pas le chemin. Donc je pense qu'on se les fera alors qu'ils ne sont pas en guerre, ils seront, c'est pas grave, ils auront toutes leurs troupes de disponibles. Ceci dit, je suis pas persuadé que... Pour l'instant, ils en ont 38, ils ont pas mal de réserves. J'aurai de mon côté plus de 80 000 hommes, je pense. Ah merde, Nantes reçoit un siège. Bon, bah c'est pas grave, ça me fera 13 sièges à partir de maintenant. C'est pas trop un problème. Bon, les sciences, c'est trop tôt. Donc j'aurai 70, 80, 90 000 hommes, grosso modo. On va mettre la maintenance au maximum. Mon armée, elle arrive. Parfait. La seule chose qui me manque, c'est des bons leaders. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je suis vert de rage encore. J'ai encore fait la même connerie que d'habitude. J'ai laissé mon armée sur place. Mais je sais pas pourquoi... Avant ça m'arrivait jamais, ils ont dû changer quelque chose dans ce mécanisme, et du coup je fais plus du tout. Ou alors je perds la boule, on remarque c'est possible aussi. Coup des bâtiments, ouais. Un conseiller niveau 2 ça m'intéresse pas, c'est trop tard. On est rendu au conseiller niveau 3 maintenant. Donc je vais prendre coup des bâtiments moins 10%. Ça m'intéresse pas vraiment non plus, mais... C'est tout ce que je peux avoir. Donc en fait, on va se passer des 10 000 hommes, malheureusement. J'espère que je ne vais pas le regretter plus tard. Ah, c'est vraiment pas cool, ça. Sérieux. Quelle erreur. Ouais, c'est parti. Déclarer la guerre. Apprendre Orisha en co-belligérant. J'ai qu'un casus belli sur eux. Et sur eux, j'en ai deux, peut-être. Ouais. Peu importe. L'Espagne devrait peut-être m'apporter des renforts d'ailleurs. Il serait bien capable de venir. Ouais, j'ai vraiment pas un bon leader. Hein. Ça, c'est un problème. Je pourrais tenter d'en prendre un autre, mais je suis sûr qu'il sera pas beaucoup plus efficace. Pouah. J'ai pas de tradition, hein. Je sais bien. Ok, donc on va commencer à faire le premier siège. Ah, j'ai perdu un théologien. On va le remplacer par un théologien. Pareil, en fait. Donc ça, c'est l'infanterie. Ok. Donc là, il va falloir frapper fort dès le début. Puisque ce qui va nous tuer un peu, comme la dernière guerre, hein, c'est l'attrition. Donc, il faut frapper au début. On va y aller avec tout ce qu'on a. Merde, je l'ai loupé. Terre aride, ouais. Bon. On va être à 1 contre 2, grosso modo. Putain, on a du mal, même à 1 contre 2. J'hallucine, quoi. Comment ça se fait, quoi? Bon, restons zen. Du coup, on va se replier, là. Là, je vais peut-être sortir mes navires. Ouais. Ça va être compliqué, hein, cette guerre, de nouveau. Mais cette fois, je vais pas me louper. Je vais tout de suite prendre des mesures. Là, on va attendre les renforts. Ah, ça fait mal, dès le début. Ils sont 60 000 pour l'instant. Là, on a de l'attrition. On peut mettre 33 000 hommes sur cette armée. Ok, là, on n'aura plus d'attrition. Ça va, j'ai largement de quoi renforcer mes troupes.
Donc là, j'ai 9000 hommes ici. J'en ai 13000 bientôt ici. Ok. Je vais en recruter un tout petit peu plus. Ceci dit, je suis déjà un petit peu au-delà de ma limite, mais j'ai les moyens de me maintenir au-delà. Ok. On va peut-être pas... On va s'arrêter là. Accepter. Alors là, si on c'est dans un an, j'aimerais bien prendre une nouvelle unité d'infanterie. Là, je serais partant. On va attendre un an. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est si les Espagnols sont en route, peut-être. Oh, ils sont... C'est loin, donc je suis pas persuadé qu'ils viennent jusque chez moi. Enfin, jusqu'ici. Donc là, on a relativement... On a le temps, il va faire tous les sièges. Alors, ça c'est cool, on va continuer. Envoyer, ok. Alors, mon navire arrive. Ah, ça commence. Donc pour l'instant j'ai pas d'attrition, donc là c'est bon. J'ai refait à peu près toutes mes troupes. Là ça va sortir au fur et à mesure. Alors, ce que je pourrais faire c'est améliorer mes navires ici. Ouais. Parce que comme j'étais en train de perdre la bataille là, je pense qu'il serait intéressant de faire des navires. Tiens, j'ai récupéré un marchand. Ça doit être le Canada qui me le donne. Alors, on va le mettre... Je ne sais pas où. Alors, ici, il va pas me servir pour l'instant. Ici, j'ai pas de puissance, j'ai rien. Ici, j'en ai un peu. On va le mettre là. Transférer. Ils avancent, hein. Les renforts seront peut-être pas là à temps. Ceci dit, des renforts, je pourrais en faire directement ici. En plus. Ok. Ce qui compte, c'est qu'on tienne jusqu'en janvier, que je puisse avoir mes nouvelles unités. Et puis après, les renforts viendront le moment venu. Ah, bah là, c'est bien, ça avance vraiment rapidement. Du coup, celui-là, on va le rappeler. On va se lancer là. Là, plutôt, pour bloquer les Portugais un peu. Ok, alors, mon navire est-il arrivé? Ouais, c'est parti. Cette fois, j'embarque. Peut-être que j'aurais pas perdu la bataille tout à l'heure si j'avais... si j'avais eu 13000 hommes de plus. Malheureusement, il faut que je répare, là. Je vois que je suis un peu juste, quand même, pour traverser l'Atlantique. Je vais être prudent. Ah, ils ont une autre guerre. Ava et Pégou. Ava, c'est énorme, hein. Enfin c'est énorme, c'est grand. Ouais. Donc on va pouvoir traverser, je crois. On va reprendre pied sur le continent. Mais on va quand même ramener les renforts. De toute façon, je gagne toujours de l'argent, hein. C'est ça qui est bien. Ok, donc là au moins je peux traverser. On va commencer par traverser ici. On va reprendre ce fort. Là, ça remonte, c'est bon. On va d'abord reprendre nos territoires. Alors, un de valeur fiscale à Londres.
Je sais pas où c'est, Limerick. Je sais pas du tout où c'est. Est-ce que c'est... Ah, c'est pas à l'intérieur des 17 provinces qu'il me faut, là, donc je peux perdre un point ici, honnêtement. En plus, ça renforcera Londres. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, faut que je surveille qu'il n'y ait pas des troupes qui arrivent. Alors, compagnie commerciale en difficulté. C'est pas la première fois que j'ai ça, mais... Compagnie commerciale très mécontente s'applique à Carou. C'est une seule province. Honnêtement, sur une seule province, c'est pas très grave. Alors que le reste s'applique sur tout toute la nation. Donc en fait, je préfère largement ce malus appliqué à une province plutôt qu'à toute la nation. Ok, ça c'est bon. Donc là, mes navires sont arrivés. Je vais embarquer ça. On va réparer, hein, parce que là, on n'est pas du tout à un niveau suffisant pour traverser la moitié du monde, grosso modo. Je comprends pas que mes navires puissent circuler librement. Tiens, voilà les Espagnols qui amènent 1000 hommes. Ça, je comprends pas qu'ils puissent circuler librement. On va se replier au port parce que... Ceci dit, on va plutôt les fusionner avec cette armée-là pour l'instant. Non mais ça sert à quoi de ramener 1000 hommes là? C'est... Alors qu'il vient... C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il vient avec 27 transporteurs. Mais il trouve le moyen d'amener que 1000 hommes quoi. Chercher l'erreur. Alors là, je vais me diviser, je vais prendre la province d'à côté vite fait. Bon, c'est bien, il se bat là-bas. Il a même l'air d'avoir quelques difficultés, donc ça m'arrange. C'était pas prévu, mais c'est une aide plutôt appréciée. Donc, je vais continuer là. Ah, je peux pas aller plus loin à cause du fort. Ok, donc là je vais partir ici. Je vais reprendre cette province. Là, bah, je vais aller sur Jinjé, là, mais l'attrition, hein, elle est assez énorme. 5%, quoi, c'est juste impossible. Je vais retirer la plupart de mes troupes pour garder que les mercenaires et l'artillerie. C'est bien parce que ça aide, ça accélère le siège. Ouais, je suis plus qu'à 3%. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, bah, on va commencer à s'avancer. Là, je peux peut-être y aller. La 93, c'est largement suffisant. On va embarquer ces troupes-là. Ceci dit, maintenant qu'ils sont occupés, est-ce que j'ai bien besoin d'y aller? Je suis pas sûr. Il leur reste combien de troupes, là? Bamani, 44 000 hommes. Hein, il a quasiment rien perdu. Ouais, je vais venir jouer la sécurité. De toute façon, ça coûte rien. Je préfère ramener 26 000 hommes. Je pense que c'est préférable. Là, j'en ai marre. J'ai définitivement enlevé. La cavalerie, ça sert à rien dans un siège. Voilà. On n'est plus rendu qu'à 3... On est toujours à 3%. Non. On est à 3%, mais enfin, ça s'applique qu'à 17 000 hommes maintenant. Donc c'est un peu mieux qu'avant. Ok, donc je vais continuer sur cette province. Je méfie un peu parce que... Un de ces quatre, il va sortir du brouillard de guerre et on va se prendre une raclée. Donc je me méfie. Ah oui, mais là, il y a son fort ici. Ah, sérieux. On va faire le siège de ce fort-là. Et là, on est à 70, hein. J'ai vraiment pas de chance. Et rien n'y fait, je n'arrive pas à prendre cette province. Remarque, je suis déjà monté à 93, hein. C'était mon record. Dans le let's play précédent, je crois. Ok, on va s'occuper de ce fort. Et merde, voilà ce que je craignais.
Ils arrivent en masse. Bon, heureusement, j'ai mis un leader, donc je vais m'en sortir. Ah putain, j'arriverai pas à temps. Et surtout, j'arriverai pas avec assez de troupes. On va essayer de venir, mais... Oh, j'ai tout perdu en plus. Malgré... putain, 9000 hommes en moins. Non, 16000 hommes. Je me rappelle plus. 16000, je crois. Bon. Restons zen. Ce qui serait bien, c'est de ne pas perdre la prochaine. Là, on va avoir une position défensive intéressante. Et on est en colline, donc doublement intéressante. Sauf qu'il a arrêté. Non, il n'a pas arrêté. Foulan devrait gagner, hein, mais... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner? Il faut une rivière et... une colline. Alors, ceci dit, on est en août. Je vais tout de suite prendre ça. Ok. Je vais prendre les nouvelles unités. Je vais m'occuper de ces 5000 hommes. Ces 5000 hommes gratuits, honnêtement, j'aurais tort de m'en priver. Et ceci dit, je suis tellement mal barré que je serais capable de perdre. Au moins, il m'apporte un bon leader, là. Avec les Espagnols, j'ai récupéré un leader niveau 3. Je suis pas sûr que ce sera suffisant pour gagner, mais... Si, peut-être que si. Ouh. Ok. Heureusement que j'ai ramené des renforts. Finalement, c'était le bon choix. Je sais pas où ils sont, mais ils devraient pas être très très loin maintenant. Ouais, ils sont presque là. 26000 hommes. Hein. 27 même. Mais s'il y en a 26 pour l'instant, c'est parce que j'ai dû avoir un peu d'attrition. 42... Là, on va pas rester autant ici parce que c'est mortel l'attrition. On va s'occuper de cette armée. Ah, un nouveau vote. Alors, les douanes, ça m'intéresse pas. Coût des conseillers, efficacité commerciale et puissance commerciale. Je réfléchis même pas trop. 5 de légitimité, c'est supportable. Acheter un parlementaire, ça évidemment, c'est tout de suite pris. Accorder un commandement naval, ouais, ça aussi c'est pris. Acheter un parlementaire, c'est bon. Et plus qu'un. Accorder l'autonomie locale ou la corruption. Non, l'autonomie locale, sur Nantes. Ok, ça va être bon pour nos revenus, ça. Ok, donc j'aimerais bien que mon navire arrive, là, je sais pas où il en est. Merde, je le vois plus. Il est là. On va plutôt le faire venir ici. Là, c'est pareil. Hein, j'arrive pas à faire ce siège. C'est tellement long. Ah, génial. Ah oui, mais j'ai pas été futé, moi. J'ai pas été assez loin. J'ai encore... Oui, je l'ai encore. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... J'en ai plus de 11 déjà. Donc normalement, la Louisiane, c'est bon. Le Canada, ça doit être bon. Le Canada, il faut que j'attende juste que cette colonie soit finie. D'accord, donc ça va le faire. Du coup, ma nouvelle colonie, j'aimerais bien la mettre en Afrique. Ici, là, pour augmenter ma puissance commerciale dans ce nœud. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'échappent, en fait. Bon, bah, faudra attendre. Faudra attendre, parce qu'il faut que je ramène des militaires, dans ce cas-là. Ok, alors ce que je me demandais, c'est... Qu'est-ce que ça donne, leur guerre, là? Ils sont à moitié en train de la perdre, mais pas tout à fait. L'objectif, moi, j'avais mis...
la province de Cholanandal. Donc c'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Ah bah je l'ai déjà pris, c'est bon. Ah, j'espère qu'il ramène des troupes là. Je peux pas trop voir malheureusement. Ah, il ramène 26 000 hommes. Ah ça c'est bien. Ça c'est une vraie différence, plutôt que 1000. Surtout qu'eux ils ont un leader niveau 3 quoi, donc... Alors, perte d'aspiration, bon bah ça... Gain d'aspiration à la liberté, on en est où pour l'instant? Non, pour l'instant on est très bas partout, hein. Donc on va prendre les taxes. Ok, mes troupes ont débarqué, donc on va de ce pas attaquer cette armée. On va se regrouper ici. Je me sens un peu plus en sécurité avec les 26 000 Espagnols. Tiens, je crois qu'il a peur. On va aller faire les sièges là-haut. Je leur mets pas d'objectif aux Espagnols, hein, ils se débrouilleront, je crois qu'ils vont, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils prendront des forts. Ok, donc là j'ai 70 navires. On va faire le blocus ici. Ah, ça c'est cool, on va pouvoir prendre toutes les provinces là où il n'y a pas de fort. Je vais aller prendre celle qui est derrière là-bas toute seule. Progrès de la classe marchande. Gagne 10 d'influence. Ah, ça j'aime pas trop, j'avoue. Fin de la trêve avec la France. Malheureusement, je ne peux plus les mettre en rivaux, donc j'avoue que ça m'intéresse moyennement. Bon, bah ça commence à avancer maintenant sur Bamani. J'ai pas regardé l'état de leur armée. Ah, ils ont perdu des troupes dans la guerre qui les oppose aux... Je sais pas comment ils s'appellent. Ah, ils ont quand même encore... Ah, ils sont en déroute là. Ah ça c'est intéressant. Si j'arrive à les intercepter, je sais pas où ils vont. Ah bordel, je sais pas où ils vont. On va se regrouper. Ah mais je peux pas... Je pense qu'ils vont là. J'espère que je suis gagnant, hein. Ils ont quand même remonté un peu leur morale. Non, on va se regrouper d'abord. Ah, j'aurai pas le temps, ils vont regagner tout leur moral. Et moi j'ai toujours ce problème de mauvais leader, il faut bien l'avouer. Donc je peux pas trop. Je peux pas trop attaquer comme ça, j'avoue. Là on va se répartir pour se défendre. Lui va aller là plutôt. En fait, je vais attendre qu'il m'attaque. Hein. Celui-là, je vais le mettre derrière en défense. On verra ce qu'il fait. De toute façon, les Espagnols avancent bien là. Ils sont carrément partis à l'autre bout faire le siège. J'ai peur quand même qu'ils se prennent une correction là. Je voudrais pas dire, mais. Ah, ils sont rapides à faire les sièges. Ouf, ouais, mais voilà, hein. Ils sont tellement meilleurs que moi au combat. Ça, moi, j'ai aucune chance hein, avec mes pauvres leaders, mes pauvres capacités. Ouais, franchement, c'est une bonne recrue, ces Espagnols, en fait. J'ai rien fait pour, ou pas grand-chose, en tout cas. Mais il n'en reste pas moins que c'est des bonnes recrues. On va aller très très loin dans cette guerre, parce que j'ai une revanche à prendre. 10 de prestige encore. Décidément, j'arrive pas à monter ce prestige. C'est terrible. Ok, pour l'instant, je vais m'arrêter. Toujours dans l'optique de faire des épisodes un petit peu moins longs qu'avant. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour la suite de ce Let's Play.